Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur de services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a quatre principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous entretenir sur la procédure à suivre pour l'obtention d'un permis de construire. Qu'est-ce que le permis de construire? C'est l'acte par lequel le maire autorise des projets de construction conformément aux dispositions législatives, réglementaires et techniques auxquelles les constructions sont assujetties. Le permis de construire est obligatoire pour toute personne physique ou morale désirant entreprendre une construction sur le territoire de la ville de Niamey. Pourquoi un permis de construire? L'avantage d'un permis de construire est d'assurer le respect des servitudes d'hygiène, esthétique, d'alignement et de sécurité publique imposées par les plans d'urbanisme. Qui délivre le permis de construire? Le permis de construire est délivré par le maire après avis favorable de la commission mise en place à cet effet. Elle est composée de 10 membres qui sont un représentant de la direction des domaines et de l'habitat, un représentant du ministère de la ville et de la salubrité urbaine, un représentant de la direction des travaux neufs ville de Niamey, un représentant de la direction régionale de l'hygiène, un représentant de la direction régionale des mines, deux représentants de la direction régionale des impôts, un représentant de la direction régionale de la protection civile, un représentant de l'ordre des architectes, un représentant de la direction de la gestion foncière de la ville de Niamey. Quels sont les éléments constituant le dossier du permis de construire? Le dossier est composé comme suit. Une demande d'autorisation de construire, une copie de l'acte de propriété enregistré et timbré, trois copies du plan de situation signé, contresigné, pardon, par le chef de section cadastre, trois copies du plan de construction composant les coupes et façades, trois copies du devis estimatif, trois copies du devis descriptif, trois copies du plan d'électricité comportant les légendes de schéma unilifère,
trois copies du plan de masse avec le système d'assainissement, un timbre fiscal de 25 000 francs CFA et un texte rémunératoire selon l'usage du bâtiment. Ce même permis de construire est aussi exigé pour la construction des murs de clôture, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes et les reprises de grosses œuvres. Quelles sont les différentes étapes pour l'octroi d'un permis de construire? Les différentes étapes se résument ainsi. D'abord, la construction du dossier, l'enregistrement du dossier auprès du service courrier de la ville de Niamey, la vérification de la composition du dossier par les services compétents, l'examen du dossier par la commission du permis de construire qui se tient une fois par semaine. Notons que pour les immeubles R plus D et plus, il est exigé avant la réception du dossier une approbation du ministère des Domaines et de l'Habitat. Et dernièrement, la délivrance du permis de construire pour les dossiers ayant fait l'objet d'approbation et rejet pour les dossiers incomplets. Combien coûte l'obtention du permis de construire? Conformément à l'ordonnance numéro 59-113 PCN du 11 juillet 1959 et son décret d'application numéro 74-133 MTPM du 4 juillet 1964 portant réglementation du permis de construire dans la ville de Niamey, les différentes tarifications sont fixées ainsi que les suivies en fonction des usages. Donc, 200 francs par mètre carré bâti, établissements éducatifs, sociaux, culturels, habitations en banco. 250 francs par mètre carré bâti, habitation simple, semi-dure. 300 francs par mètre carré bâti, habitation collective, célibatérium. 400 francs par mètre carré bâti, habitation en dur. 500 francs par mètre carré bâti, garage, établissement insalubre, incommode et dangereux, et les commerces. 1000 francs par mètre carré bâti, les stations d'essence. Dans quel délai délivre-t-on le permis de construire? Conformément à la loi, le délai est de 45 jours à compter de la date de dépôt du dossier. Voici, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire sur la procédure pour l'obtention d'un permis de construire par la mairie ville de Niamey. Merci de votre aimable attention.